Nice. On va essayer de vous montrer toutes sortes d'endroits, la plupart on les connaît pas. Certains endroits vont être nuls, certains endroits vont être bien. Là on commence bien parce que l'Origami Kaikan apparemment c'est un musée-magasin. On peut aussi prendre des cours, là c'est plus gratuit mais en tout cas c'est du grand art. Regarde. C'est assez impressionnant. Hein. Moi en papier je peux faire des avions et des bombes à eau. Ok, c'était sympa, on fait le tour en 10 minutes, hein. Ça casse pas trois pattes à un cochon, mais c'est gratuit, donc ça les vaut, c'est sympa. On va maintenant à Shinjuku, je vous ai pas dit, là on est à Ochanomizu. Là on va à Shinjuku et on va essayer de monter en haut de la mairie. La dernière fois c'était un fail, donc aujourd'hui on va y retourner parce que c'est gratuit et on fait les choses gratuites. Quand on passe les portes des temples, il faut pas marcher sur le rebord, il faut enjamber. Oui, on est toujours à Ochanomizu, on s'est juste trompé de rue pour retourner à la gare et on tombe sur le temple de Confucius, qui est gratuit, hein, comme des temples qui sont partout dans Tokyo, dans tous les quartiers. Temple de Confucius, c'est très sympa, c'est très joli, c'est très, hein, très calme, c'est gratuit. Et là, je pense que c'est Confucius. On continue ? Le temple est totalement fermé. Ce qui est un temple fermé, c'est intéressant aussi, mais moins qu'un temple ouvert quand même. Aujourd'hui, on fait un 0 yen, mais on va pas s'empêcher de manger non plus, hein, faut pas abuser. Vous voyez derrière moi, c'est la mairie de Tokyo. C'est l'attraction touristique gratuite de Tokyo la plus connue. On peut monter dans chacune des deux tours. Il y a un observatoire tout en haut et on a un point de vue sur la ville. Et c'est ce qu'on va faire maintenant. Ça vous rappelle pas un peu la mairie de Saint-Sulpice-les-Feuilles en Haute-Vienne? La dernière fois qu'on était venu, je ne sais pas si vous vous rappelez, il y avait 30 minutes d'attente, donc on avait abandonné. En fait, il ne faut pas venir en fin d'après-midi. Les gens viennent ici, ils font la queue pour voir. Les gens viennent ici pour voir le coucher du soleil. Donc le matin, là, il est 11h30 et il n'y a personne. On n'a pas attendu même pas 30 secondes. On a pris l'ascenseur tout de suite. Et là, on est dans la tour nord. Et l'avantage de la tour nord, c'est qu'on peut voir la Tokyo Sky Tree. Le gros avantage de la tour sud, c'est qu'on a un beau point de vue sur la Tokyo Skytree par contre. Sérieusement, la tour est un petit peu mieux parce qu'il n'y a pas ce bar là-bas qui nous font chier. On peut vraiment regarder à presque 360 degrés et j'ai l'impression que l'ambiance est plus chaleureuse. Tour sud, go tour sud.
voyez, pour 0 yen, on peut s'amuser. Hein. C'est le parc Hayat. C'est notamment dans cet immeuble, dans cet hôtel, qu'ils ont tourné Lost in Translation. Enfin, une partie du film Lost in Translation. Le célèbre film Lost in Translation. Vous connaissez les logos pour les Jeux Olympiques de Tokyo de 2020. Bah, Sébastien avait soumis son projet aussi à la mairie de Tokyo. Ça n'a pas marché, mais il avait fait un beau truc. J'avais fait un petit truc aussi, mais c'était beaucoup moins stylé quand même. May peace prevail on earth. Cool. Notre prochaine étape, c'est le Kotokuji. C'est un temple qui est à Setagaya et qui est donc gratuit. C'est un temple qui est pas mal connu des gens qui connaissent en fait, vous allez voir pourquoi. Il n'est pas vraiment connu pour ça, il n'est pas non plus connu pour ça, ni pour ça. Je pense qu'on s'est trompé de temple en fait. Nous sommes maintenant à Setagaya et notre prochaine étape gratuite, c'est le temple Gotokuji. Alors attention à ne pas le confondre avec le temple Kotokuji, hein, qui n'est pas ici du tout, qui est très très loin par là-bas. Et ce temple est très connu parce que ça, c'est le temple des Manekineko, le temple des chats. Ça va être difficile de les compter, hein. Ok. J'ai compté à peu près un dixième des chats et je me suis arrêté à 560. Je sais pas, il y en a au moins 4-5 000. Facile, tranquille. Pas mal ce petit temple, c'était la première fois que je venais ici. Notre prochaine destination est à Nihonbashi. Nous sommes maintenant devant le Takono Hakubutsukan, le Kite Museum en anglais, Drachen Museum en allemand ou le Museo de Cometas en espagnol, le musée des cerfs-volants. Donc c'est juste là. Mira, una cometa. Ciao, un drache. Regarde. Un cerf, il vole. That's a pity. C'était pas fermé, c'était ouvert, mais c'était pas gratuit. C'est 200 yens, ils ont dû changer les prix récemment. Donc voilà, dans le cadre d'un 0 yen, on ne peut pas se permettre de payer 200 yens pour aller voir le musée des cerfs-volants. J'en suis désolé. Un musée peut en cacher un autre. Après le musée des cerfs-volants, nous voici au musée de la publicité. Nous sommes à Shimbashi. Simba, 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 Simba. Shimbashi. Ok, c'était assez court. Je m'attendais pas à un truc génial, c'était pas génial. Sébastien aime bien, je pense qu'il faut avoir une certaine fibre artistique pour comprendre le monde de la publicité. C'est gratuit donc pourquoi pas. On vient de tomber sur le Panasonic Showroom, Panasonic Living Showroom, je ne savais pas que ça existait. Totalement inconnu au bataillon. Ça a l'air gratuit, on va voir. Oui, parce qu'au Japon, Panasonic c'est aussi des salles de bain, des cuisines, des toilettes, etc. De l'eau gratuite, c'est toujours bien à prendre. À présent, on est dans le monorail. On va finir la soirée à Odaiba. Odaiba, vous vous rappelez, c'est cette île artificielle où il y a le Gundam géant, où il y a le Ranwan, où il y a plein de centres commerciaux. Et il y a plein de trucs à voir gratuitement aussi à Odaiba. Oui, oui.
suis en train de réserver une voiture. On est au showroom de Toyota et on peut essayer des voitures. Ouais. On va voir ce que ce bébé a dans le ventre. On peut aller jusqu'à 40 km/h sur ce circuit, ça va être de la folie. On vient d'essayer le cinéma dynamique, c'est vraiment génial. On était deux dans la salle et ils te font conduire sur les 5 continents dans des voitures de course, des voitures de rallye, sur le sable. C'est vraiment bien. C'est vraiment un super cinéma dynamique qui est gratuit. On vient de passer 1h30 au showroom de Toyota, mais on n'a pas eu assez de voitures. Donc maintenant on va au History Garage et c'est gratuit. Et on va s'arrêter là, je pense, pour aujourd'hui, parce qu'il fait nuit, là, quand même. Derrière moi, vous avez une Chevrolet Impala de 1959, la Volkswagen Beetle Type 1 de 1957, et évidemment la DeLorean de 1981, que tout le monde connaît pour le film. Sébastien, das ist ein deutsches Auto. Ja. Si je devais choisir une voiture parmi toutes celles-là, pour vous dire quelle est ma préférée, ce serait pas celle-là. Let's take a picture. Il y a pas mal de monde qui me demande où j'achète mes chapeaux, il y a aussi pas mal de monde qui s'en fout. Hein. C'est là, c'est à Flava, c'est coréen, il y en a partout dans tous les centres commerciaux du Japon quasiment. Flava, c'est là, voilà, vous savez. Ceci est une fin de vidéo. On est à Pinkberry, c'est très bon. C'est fini. Non mais il n'y a plus rien, c'est fini, il n'y aura plus rien après là, on arrête.